C'est la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Pour cette 25e édition, les élèves découvrent différents métiers, dont celui de journaliste. Les élèves sont invités à lire la presse, à l'analyser et à développer leur attitude critique vis-à-vis de l'information. L'une des nouveautés de cette année, c'est une application pour tablette numérique qui comprend des jeux interactifs et différents dossiers sur la liberté de la presse ou encore son histoire. Pour cet événement, le recteur de l'Académie de Lille s'est rendu au collège Lillois Franklin. Jean-Jacques Paulet a rencontré les élèves en pleine conférence de rédaction. Cette année, pour le journal de l'école, ils lancent une édition spéciale sur la Grande-Bretagne. Une partie de leurs camarades de classe se trouve actuellement là-bas. En immersion chez nos voisins anglais, ces reporters en herbe en profitent pour approfondir leurs connaissances en langue étrangère, pendant que la rédaction, elle, prépare et discute des articles à paraître. Et les élèves ont profité de la présence du recteur pour l'interviewer. Une opération pédagogique grandement réussie aux yeux des élèves. Je vous propose d'écouter les réactions d'un des professeurs en charge de ce projet. Tous les ans, on accueille de nouveaux élèves à qui il faut quand même faire prendre conscience de ce que c'est qu'un journal, de quoi se compose un article, leur montrer qu'on n'écrit pas un article de presse comme une rédaction scolaire, leur faire prendre conscience aussi qu'il y a des droits à respecter, droits à l'image. Comme on a toujours une nouvelle équipe, on se remet d'accord sur une maquette, sur une maquette, sur les différentes rubriques qu'on va utiliser dans notre journal. Donc ça prend également un petit peu de temps, ce qui explique qu'effectivement à raison d'1 heure par semaine, 4 numéros, c'est déjà un peu ambitieux.